La maison musée Blasco Ibáñez est le nom actuel, après sa reconstruction du logement de l'écrivain espagnol Vicente Blasco Ibáñez, qui se trouve à une extrémité de la plage de la ville de Malvarosa de Valence, déclaré monument historico-artistique et reconnu comme un bien d'intérêt culturel, avec le nom qui est connu à Valence, Vicente Blasco Ibáñez Chalet. Finie la guerre civile en 1939, le bâtiment a été saisi par le conseil municipal et remis à usage de loisirs de Falange Hispanola. Abandonné et oublié par la suite, ce n'est que le commence de la décennie de 1980, qui visait à récupérer le même. En dépit de cela, a recommandé de conserver ce qui était encore debout et réhabilité. Toutefois, le degré de dégradation était tel qu'a opté pour la démolition. Au début des années 1990 a commencé la reconstruction basée sur les plans d'origine conservés dans les archives municipales, respectant la face extérieure entièrement. Toutefois, la répartition des chambres intérieures est modifiée pour devenir la maison musée ouverte au public en 1997. Au rez-de-chaussée est un salon d'actes. Le premier étage contient une partie de l'héritage de Vicente Blasco Ibáñez, meubles et souvenirs de famille, dans la dernière salle, études et recherches et, livres, documents, manuscrits et cartes, ainsi que les œuvres complètes de Blasco Ibáñez dans différentes éditions et dans toutes les langues ont été publiées. Séjour aussi gardé des dossiers et documents de l'ancien quotidien El Pueblo, ainsi que le don de la famille dont il a été directeur de la Prometeu, Fernando Lorca Díez éditeur.